Voilà, merci beaucoup à tous ceux qui nous suivent. Bonne fête des parents. Et nous pensons aussi à nos morts. Merci d'abord à nos parents. Moi, je vois mes parents aussi. Papa Roger Monti, maman Martine Tite. À tous les parents du monde. Hein, donc, nous pensons qu'ils nous suivent en ce moment. Là, je vois aussi Monsieur Alain Taboukou, le multi-boss. Bonne fête à vous et à toute votre famille. Et Monsieur, bienvenue à Timanatensel. Maison Keren, maison d'appui, ces ossements, des cadres qui vous permettent de prier dans de très bonnes conditions, sans nous en sonnons sur l'avenue Suisse 42 bis. Donc, je vois là, bonne fête à ma maman Annie Kembe, l'épouse de Monsieur Bienvenu Antimana Antel, les enfants Naomi Antimana et Keren Antimbana. Donc, c'est ça. Et je n'oublie pas aussi Yaouli Mouché Nicole Mondial, c'est aussi un parent. Bonne fête des parents à vous. Et j'ai, voilà aussi. Tous nos amis hein, donc, qui nous suivent à ce moment, Trésor Mbemba, Monsieur Kouba, Monsieur l'excellent Florent Chiba depuis Brazzaville, Alfred Matsou et Guichon Kouamouranjambe. Bonne fête de parents à vous. Ça, c'est vraiment des souhaits qui émanent de votre humble serviteur Doudou Montieri. Et je vais aussi là souhaiter bonne fête de parents à Madame Chati Béa, bonne fête de parents à vous. Et du côté d'Ngiri Ngiri, là, je vois. Fan club Doudou Montieri, Ngiri Ngiri. Je vais saluer les amis de la terrasse Neftaline. Naomi, qui est la responsable, nous suit en ce moment, donc tous les staffs de Ngiri Ngiri. Salutations à vous et bonne fête des parents à vous, parce que vous avez aussi des responsabilités, hein, n'est-ce pas, Madame Chouga Naomi, et surtout les amis de la terrasse Neftali. Du côté des Ngiri, bonne fête à vous. Alors, sans plus tarder, nous allons d'abord. Et bonne fête aussi hein, à tous les amis de Nous sommes ensemble. Je vois Madame Ira Moussambi, je vois là Madame Kassongo Clarisse, je vois là Lydia Mbenza, et les Boma Kwekwe, Natacha Mbenza, et Doudou Montiri, je vois là. Donc, tous les amis de Nous sommes ensemble, et bonne fête des parents à vous. Alors, on reçoit pour vous. Monsieur Nabi Okito, et avec lui, on va essayer d'abord de parler des événements, donc des fêtes. On va parler des parents, et fêtes des parents et des morts aussi que nous devons normalement commémorer, et pourquoi pas aussi parler des chefs coutumiers, hein, donc ça c'est très bien. Bonjour Nabi Okito, bonne fête à vous. Bonjour, bonjour, bonjour à tous nos téléspectateurs, bonjour à tous ceux qui nous aiment. Tolobi, bonne fête à tous les parents. Et Nabaïnyosobatikabiso, na génocide Oyo et Salimi pour la deuxième fois, parce que premier génocide est seulement après la création du monde, qui voulait exterminer le peuple de Cuvette centrale, qui était le peuple bantou. Alors, une fois encore, deuxième génocide, et troisième génocide, parce qu'on a connu, le Congo a déjà connu trois génocides non déclarés. Trois génocides non déclarés, ce sont des morts. Premier génocide, c'était après la création du monde, dans le premier temps, il y avait le tout premier génocide qui nous a envoyés jusqu'en Égypte. A fouillé cette guerre, les restes sont entrés dans la forêt équatoriale et les autres sont descendus jusqu'en Afrique du Sud. Le deuxième génocide, c'est le génocide fait par le Belge. Les colons, qu'on les appelle, que moi j'appelle les piévots, qui sont c'était des pilleurs et des voleurs qui sont venus dans notre pays, des assassins, des génocidaires, qui n'ont rien amené à part la désolation. La troisième génocide, c'est ce qui vient de connaître le Congo par le Rwanda et l'Ouganda sur la belle des Nations Unies qui a planifié la génocide au Congo. C'est une organisation que tous les Africains doivent quitter dans cette organisation génocidaire. Et je demande ainsi au peuple africain, les panafricains, partout là où vous êtes, nous devons maintenant parler. Comment quitter l'Organisation des Nations Unies et quitter le CEDEAO, quitter l'Organisation de l'Union africaine, dirigée et toujours par les génocidaires, les bandits du monde.
Alors, à tous nos parents, à tout le peuple congolais, ceux qui nous ont quittés d'une manière brutale, que leurs âmes se reposent en paix. Je pense, dans ce même plateau de télévision avec Dodo Moutiri, tous en à nos côtés à Frascom, tant après moi et Sandy, un immeuble de Kitakanasi, a déclaré qu'on a 5 ans au peuple congolais pour demander et déclarer la génocide, troisième génocide du Congo. Et je remercie tous les Congolais. À partir de ce jour-là, les Congolais ont commencé à parler de troisième génocide du Congo, non déclaré. Heureusement qu'aujourd'hui, la première ministre sera Kisangani pour les holocaustes de la génocide congolaise. Merci madame la première ministre. To sengi disusu na bainyoso to continue na likambo ya kolobela trois génocides de Salama na pays oyabiso babengi République théocratique du Congo. Aujourd'hui encore appelée la République démocratique du Congo. Et ça passe pour ma famille ebele bakufa na mboko. Commencez par maman qui va vite. Premier parent où y a koufa pour na Congo na biso. Tozui Ngongo leteta a koufa pour na mboko. Tozui papa Simon Kimbango a koufa pour na mboka. Je m'excuse, a koufé la mboka oyo. Papa Simon Kimbango. Kaka na mboka oyo. Patrice Emery Lumumba akufe la mboka oyo. Kaka na mboka oyo. Kasavubu akufe la mboka oyo. Kaka na mboka oyo. Le maréchal Mobutu Sese Seko Kukumbwendo wa Zabanga. Président du Zaïre, le roi du Zaïre. Akufa po na mboka oyo. Kaka na mboka oyo. Laurent Désiré Kabila babomaye pona mbokoyo. Toyebi ke papa Étienne Tshisekedi akufa mort naturel te. Akufa pona mbokoyo. Tona ya kendo sala check-up elikanaki plus de 6 mois pona makambo ya dialogue ya DSS ou ya Sylvestre. Akufa la mbokoyo. Rosie Mukendi a koufé la mbokoyo. Général Baoma a koufé la mbokoyo. Colonel Mamadou Ndala a koufé la mbokoyo. Thérèse Kapangala a koufé la mbokoyo. La grande famille de Général Ngandou Kisasi, le premier qui a perçu le bal en disant que les Rwandais rentrent chez eux et il avait giflé Kagame. Le premier Congolais qui a giflé Kagame, c'était Général Ngandou Kisasi, le Kema Fumbe. Deux fois T, une fois suffit chez les Batetela. Il est assassiné. Maman Onema, grand-mère à moi, dans cette grande famille de Général Kisasi, a koufé l'imboko. Mobuta Boma na Nangalie Mao. Banyonga na Masini, Baboka na Fleuve, sans tombe. Général Kisasi na famille nanga sa tombe. Onema Ngandou est mort sans tombe. Kana famille nanga. Okenge Ngandou akufa na mboko sans tombe. Kaka na ma famille nanga. Tozali na Ja Ongedi akufa la mboka oyo. Ngandou. Kaka na mboka oyo Marie Oponga Ngandou akufa la mboko. Kaka na famille oyo. To perdre beaucoup ces familles oyo bayobaka à perdre plus na makambo bengami politique na mboka na biso ezali la grande famille de Général Ngandou Kisasi. Shingangandu était assassiné encore une fois le petit frère de Ngandou Kisasi, Général Olenga Nicolas, grand frère de Général Ngandou Kisasi, kaka na famille na biso. Patrice Emery Lumumba, originaire de Tchekovele, village d'origine Potovele. A koufé la mboko. Joseph Okito, cousin à mon père.
Akufela Mboko, kaka na même famille. Oui, lelo bato bakie ba cimetière, mais biso tozana bisika ko commémorer. Plupart membres de la famille nanga bazana tombe. Honorable Okita Peng, le jour qui devrait défendre doctorat naye, c'est le jour qu'il est enterré. Parce qu'il est de la famille du général Ngandou Kisase, neveu propre du général Ngandou Kisase. Et ça passe. Mais dans tout ça, famille, attends-moi pour consoler la famille Zaté. Que, attends-toi, tu as droit à la vie, attends-toi à reconnaître même consolation. Et ça, ça passe. Et ça, ma famille, non, a perdant mon tout, na famille, na problème à génocide, na problème à politique à Congo. Mais biso na famille, na biso, to reconnaître plus de vingtaine personnes sur même famille. Et plupart ne sont pas atterrés. To kendo komomere maman et mawapi, azana tombe te. Général Ngandou Kisase to komomere wapi na Congo, azana tombe te. Grand frère de général Ngandou Kisase, général Olenga Nicolas, na Congo azana tombe to kendo komomore wapi. Okeng Ngandou azana tombe. Shinga Ngandou azana tombe. Onema Ngandou azana tombe. Biso famille général Ngandou Kisase to kendo komomore wapi. Boyo kapasi na biso. Ce qui vous touche à ta mokonzi moko amboko yo. Peut-être lobby ou lobby kuna. Si l'on peut être même seulement consolé. Tu lites trop pour n'amboko yo. Et toujours continuer à lutter. Et tout côté kate. Il faut jusqu'à ce que tu commandes que le peuple congolais va me retrouver dans leur droit. J'ai vivre à l'aise dans leur pays. Et dans les bonnes conditions. Sécurisé. C'est ça la lutte. Et bisogno ce que ça si mamo konzi amboka. Oya iko kuta mboka na kati ali boulou. Ba piège tendu partout de cela. Toza si mamo konzi amboka poto bimana gouf. O ba tanda Congo. Bino moko bozo mona complot international contre le Congo. En tout cas mingi akolobe ça. Mais, Tolobi, que les âmes de tous nos ancêtres, Oba Koufela Congo, Oba Bomapona Congo, Bandeko Nabiso ya Est, plus de 22 millions Yaba Congolais et des étrangers assassinés dans notre sol. Ezali blocage mounene pona mboka Nabiso ya Ngoto Sengi, tout ça la conclave Yaba chef coutumier. Donc, diagnostiquer les problèmes spirituels, ancestrales, spirituels, pour être, tout diagnostiquer dans ma cambo, sur ma chef coutumier, et belé beaucoup à la surprise. Ce qui tu insiste à canal cambo, il y a conclave, à ma chef coutumier, autrement dit, conférence nationale, il y a ma chef coutumier. Pour être tout, il y a un problème, il y a un chef coutumier, et il y a quel niveau. Aujourd'hui, je parle doucement, parce que je veux que, qu'on s'y va tendre un peu d'oreille sur moi. Je sais que parmi les chefs coutumiers, dans tous les groupes skills de chefs coutumiers, d'où je fais membre de l'ANATC officielle des chefs coutumiers, mais étant qu'initiateur de cette conclave, Nakolinga, les autorités, Batianga Maboko, pour que l'organisation Oyo Ezala, soutenue par le Premier ministre, au chef de l'État assis à Pesaki à Valdaï, sous le haut patronage du président de la République, soutenue par le ministère de l'Intérieur, tout ça là, conclave ou la conférence nationale à Bachef Koutimi, ba bonne et difforme. Pour te tout résoudre le problème à Bachef Koutimi.
base de toutes les bases, les élus célestes, les établis par l'autorité céleste, aujourd'hui négligés. Sénat ou Isali a chef coutumier. Aucun chef coutumier a zana Sénat. Or, à 100%, le Sénat est pour le chef coutumier. Tokenda na conférence dans table ronde. To salaire à miné ne biso to zo mal et à ma belle. Ba chef coutumier. To sauva mboka. Mais le lot sa issu sa ma belle te. Ba tchad mal et à dollar, mal et à ma belle. Biso to zo ma belle. Poto ebi tina ma belle. Mais. To zo ni na mboka. Ba politicien ba déjoué ba chef coutumier. Bazu ba poste nyos. Ba kosi ba ngokaka quelques coptés de chef coutumier au niveau il y a députation provinciale. Bongo soki baza copté na provincial, pourquoi pas au niveau national? Pourquoi pas les sénateurs, sénatorial? Voilà mboka ndenge ezakokufa. Nakati ya mboka, mboka tu oyelingi kokende o liboso. Un, il ne faut pas négliger certains facteurs nationaux. Ba domaine auto négligeaka, yangonde koutaka biso cher. Namboka na biso tozika domaine science, civilisation. Tomoni ki toa danze ma kaste lobi bien. Mais avant l'arrivée de Pievo, de pierres et de voleurs que vous appelez les colons. Notre pays était bien organisé. Il y avait des royaumes. Il y avait des empires. Bien structuré. Bango Bakutibiso, plus de 22 millions. Il y a population, on a 4 mboka. Jour indépendance, tu as 10 millions moins. Nan a bomi batoua nanyos. Bato baye na civilisation, bato baye na démocratie. Et tu comprendre tant ou nini que démocratie ezali instrument ou ezali contre l'Afrique. En cas les Africains vont comprendre que les Nations Unies c'est une organisation contre l'Afrique et l'Asie. Je pense il est bon et bel temps qu'on réfléchisse mieux pour prendre de bonnes décisions et prendre possession. Avant de prendre possession, nous devons prendre position. Quand j'aspire à la théocratie, je me sens rejeté au Jupiter de ma planète. Et c'est l'unique et le seul voie. C'est le principe de Dieu. On nous a amené le principe satanique et que les gens applaudissent jusqu'à aujourd'hui. Croyaient que c'est le bon chemin. On c'était le plus mauvais chemin et la plus mauvaise civilisation du monde jusqu'à nos jours. C'est une civilisation de barbares. Une civilisation qui ne donne pas la chance aux Africains de s'épanouir. Une civilisation sans droit de l'homme. Une civilisation de pillage, d'occupation, de domination. Et que je parle à un Congolais aujourd'hui, un élève, un étudiant congolais, Nabio Kito, vous parle. La Belgique avait pillé les banques du Congo avant l'indépendance. Après l'indépendance, Oizako Sala, aujourd'hui, plus de 21 milliards en dollars à l'époque. Vous, un étudiant congolais, un élève, un enfant qui m'écoute, vous devez revendiquer votre droit. Génocide fait par les Belges. Contentieux à banque belgo-congolaise. Oh, bah, il faut piller réserve tout ça qui n'a qu'un ou n'a katanga. Bah, créer fausse sécession katangaise. Pour n'a qu'au piller, bah, lingo, n'yosso, et ça qui n'a pas dépôt n'a katanga. Tant, bah, si, qu'au piller, bah, dépôt. Bah, ça, le fausse sécession, Kasai, Sud Kasai,
ezali pona kozoa ba diamé zaki en dépôt tamba si si biloko wana oh c'est suicide. So sangisi na mbambongo wana na ebiso 51 52 milliards en dollars mouke, c'est dans les 80 de milliards. Oh la Belgique avait pillé le Congo. Et cet argent, ils ont mis cet argent aux banques mondiales qui officient cet argent, ils donnent à de grandes sociétés européennes, américaines, pour les intérêts et les intérêts, le revenu de ces intérêts, de ce capital-là, ils partagent à trahir et que le Congo ne gagne rien. Il n'y a que la Belgique qui gagne avec l'OTAN. Où est l'argent de Maréchal Mobutu Sese Seko? On parlait de le troisième riche, le plus riche du monde, qui était dans leur banque. Où est cet argent aujourd'hui? Où est cet argent? De l'empereur Bokassa, où est cet argent? L'argent de Mohamed Kadhafi, où est cet argent? C'était logé dans les banques européennes. Qui est escroc entre nous et les Africains? Et qui sont les gens qui escroquent l'autre? Et qui sont les indigènes? Je ne sais pas. Qui sont les indigènes maintenant entre nous et l'Occident? Non. Nous devons réfléchir, les Africains. Le temps est arrivé. Le 21e siècle, c'est un siècle de civilisation et de révolution. Nous devons se révolter. Et nous attendons une révolution africaine. Ba président Nyonso Afrique, au bazan à troisième mandat, ba papa wana ba marionnette de salon. Nous demandons que les coups d'État sont autorisés dans leur pays. Il n'est pas condamnable. Alors, to sengi na bandeko na biso nyonso. Oyo balingi mboka ekende oliboso ba soutenir conclave ya ba chef coutumier ba kozi na biso premier ministre to komela ki o deja. Primature ministère de l'Intérieur baza la ba organisation avec nous les initiateurs de ce conclave. Pour tout inviter, bah, chef coutumier, nous sommes organisation, bah, groupuscule, nous sommes chef coutumier, bah, ya. Pour ceux qui organisation, moko y organiser, bah, monsieur, ce bah, au bout des couilles. Et tant que initiateur, na sengi na premier ministre, ministre de l'intérieur, que tout koutana, tout créer commission, où il faut travailler pour la réussite, y a conclave, y a bah, chef coutumier, ça veut dire conférence nationale des chefs coutumiers. Oyeko sali sabiso sur le plan ancestral, sur le plan coutumière, tokoka, kobima na blocage spirituel pour que tango tokosa la conférence nationale des chefs coutumiers, et bingami conclave, pas forum international, parce qu'on ne peut pas faire le forum international nanto sali conclave, toza, papa. Bozo na problème na ndako na bino. Ndako eza mabe, eza salité. Esandi na ndako yo ya mabapa yande. Donc tout d'abord un conclave. Non, d'abord le conclave national. Bosangani bolubani makambu. Makambu na biso to arranger makambu na biso to sanga si force ancestrale nyonso. Parce que quelque chose toi tu veux insister na le kamba conclave to yebi makambu msusu se bomba minasi. Tout cela va mouvoir. Oyebi que technologie, sur le plan technologique, tout ça, non, moi, c'est ma casse. Congo Nabis. Mais ma kambaba guerre électronique, oyeye. Bisso, tout ça, non, en retard. Moi, yebi, qu'avec une force ancestrale, pouvoir ancestral, tout au contraire, tout contredire, bilokwan. Alors, pour que force ancestrale, on a tout sang sango, pour protéger Mboka Nabiso, ndenge nzambe oyo akela mokile apesa na ba chef d'unité va protéger territoire, va protéger population, tokoye balolenge nini to ko protéger mabele na biso.
Très bien. Tokola kisaba peuple congolais bisba matière nini o ezana Congo yonan ba congolais na ba yibité eza secret moko na ko dévoiler les dos. Tozana matière moko ezali appartient ma Ndombe Équateur ti na Sankuru. Matière wana ezana sia mabelé e bandi na bandu ndo. Matière wana ekozala na mesure que avec cette matière bosali ango net télécommande na satellite na biso automatise à partir ka numéro ya bombe atomique même sata 2 numéro seulement ya sata 2 to composer wa exploser ka ipana ba ah ça c'est quoi ça c'est une invention non vérifiez bravo Nino toujours le bas makambo yo to le baka ce qui les ça c'est une invention réelle oui oyebi makambo ba congolais ba nsali ya nzambe ba tinda mia solo ya nzambe ce qui ba lo ba likambo ba to aseka. Mais tant que Kokisama, ah, à l'obaka n'époque wana, il en veut dire. Je vous dis que matière wana, et bani na bandu ndo a parti à ma Ndombe, tina sankuru, et za nan ba Congolais nan ba yibi amote. Yo mouni ou mindele ba yibi. So mouni guerre ou ya kwa moutu, j'en veux prédire en 2011, que ba guerre koubima na bandu ndo a ponam, malheureusement, mais c'est Jean-Pierre Kasse, qui senda a koufi. Moto na pesa mobali ya mama Angel Kanambe na yibisa ka yeloko wana meme Jean-Marie Kasamba asana nu viva na yibisa yeloko aba yambanga na yina tele 59 ke na moni ba bwaki ba amfio ba ya likolo ezo bwaka ba balo moko pona kimisa masere wana na siya mabeli vele peyi emitrofe po esplati ya mapacha matere wana izalia bon, l'information reste à vérifier tout ce qui s'y a on avait au Kito avec des révélations. Ou peut-être dans nos Mokili ou quitté, dans nos Congolais, nous avons quitté, mais ou qui en haut. On va vérifier, tout à l'heure, Ndengo ou tout le bas, nous avons une action. Ce sont des prophéties, il y a une invention ou comment? Oui, il y a une invention pour que ça va baser Bélé dans Katiambo en Abisson. On a plein de savoir ici. Très bien. Il y a des génies. Alors, c'est pourquoi tout ça, la émission Génie Congo, a appelé tout ce qui la chaîne à télévision et Bengami Génie Congo, juste pour la invasion congolaise. Très bien. Merci beaucoup, David Okito. Pour finir. Pour finir, je salue ma famille propre que je ne salue. Mes petits enfants d'abord. Rafi Kingi, Rafi Olive Okito, Rafi Okito, Mère Okito, Princesse Okito, Anna Okito. Donc, mes enfants propres à moi, quoi. Donc, this is daddy, is your father. Today. The 1st August 2024. I say hi for everybody, for all my family, my children, my boys, my girls. A beautiful way you are. And then I'm happy to see you. Thank you, this is your daddy. Ma famille Tassa, la grande famille de Général Ngandou Kisasé, je vous salue. Merci. Merci beaucoup, Nabio qui te porte parole. Il y a chef coutumier, hein, donc il y a mon porte-parole et président de l'immeuble présidentiel. Merci. Et je vois déjà, travaux qui tournent seulement, l'immeuble présidentiel, le premier qui tourne. Coup de chapeau à Missala Otozomonakou. Merci, papa Doudou. D'ailleurs, je me prépare pour ça la réalité sur le terrain. Na immeuble. Immeuble Wana. Parce que, Oyezako seulement, Ezali et Lokumoko Malam. Ce qui tout Congolais. Et tout membre de l'IDPS et le peuple du Grand Kasaï, qui est au lingui mokonzi ambo kanabiso, biso bana IDPS, na peuple Grand Kasaï, parce que biso ni fallait tous abattre, bosser à soutenir mokonzi ambo. Très bien. Alors, ceux qui va salir, tant qu'il y a un intérêt, on a tout pèse exemple, parce que mandez en an ebané, tout travailler maintenant pour l'honneur, pour le peuple congolais. Il y a un monde qui est au mokonzi nabiso grand. Parce que l'élo va tout bélo va contredire chef de l'État, au bazar où tient le pont de bananes, chef de l'État, ce sont nous les gens de l'IDPS et ce sont nous les gens de l'espace Grand Kasaï. Il faut qu'on se le dise la vérité. Moussa l'Islami Malamouté. Même voir le secrétaire général Kabouya Assad Machar Malamouté. Parce que grand pays, grand parti comme l'IDPS, et Bimana 69 députés, frères à la honte. Juste que Nekotika deuxième mandat chef de l'État traditionnellement na IDPS, na ba chef coutumier,
Beaucoup de candidats députés, il y a eu des pèses de banda sans argent. Il y a eu pour ça la campagne. Et c'est exactement moyen à contredire le chef de l'État. Le chef de l'État a obligé à coaliser dans le sataniste. Ma pierre, d'infiltrer. Bateau, bazo travailler dans M23. Parce qu'il n'a pas majorité. Défaillance, on est Auguste Kabou, attribué. Il faut le dire la vérité. Bisso Tozali Bato, il dépasse l'idéologie. Bisso Tozali marche dans la marche des chrétiens. Alors, les lois dépassent le Bimanaba. Parti au pouvoir, il dépasse au pouvoir. Avec une 69 députés. Non. C'est non et non, nous disons non. Bisso va papa, Bisso va koufa, parce que Bassa va dire Etienne Tshisekedi. Nganou Kissé s'était assassiné parce qu'il est. On a dit que non. Nganou Kissé est le frère de Lumumba et même province avec Tshisekedi ou Mulumba. Alors, Ye Azali, opposant radicaliste pacifique na Kinshasa, ou brache armée, beaucoup exploité comme on dit, Ye Bissi ba américain, pas nos ennemis du Congo. Alors, Yango ba bon Nganou Kissé, Bissou, nous sommes une famille le plus malheureux aujourd'hui. Le plus délaissé. Et surtout la famille, je ne peux pas, le plus diminué du régime passé. Il y a trop. Les grands frères, l'aîné, l'invité spécial du chef de l'État et du gouvernement congolais, honorable Okita Peng, assassiné le 11. Si vous partez, Chebeya, honorable, le fils du général, le neveu de Nganou Kisasi, était assassiné presque dans le même temps. Sauf que même Nambesek, après tombe à Chebeya, il y a grand frère. Après grand frère, il y a maman Nabisso. Tous assassinés. Papa, ça fait mal. Et ça, journée. Bon, merci, ma Congolais. Merci. Courage. Alors, merci beaucoup. C'est Bélébé Nabé Okito, le fils du général Van Kisasé. Courage. Merci. Toujours commémoré ma mort. Courage, courage. Alors, nous changeons de rubrique rapidement. Là, nous allons recevoir pour vous l'honorable conseiller communal, commune d'Engalima. Et il sera pas seul. Hein. Il sera avec. Il est le commentateur, hein? Ligue de jeunes, hein? Voilà, Lukunga. Voilà, lui aussi sera avec nous, les deux. On va le recevoir. Alors, ça c'est très bien. Merci beaucoup. Courage, hein, Nabio Kito. Normalement, ami Sekitio, courage, courage, courage. Alors, Boni, honorable conseiller communal, Hugues Boni. Très bien, très bien. Santé à bien. Santé à bien. Juste les lots, ils allaient jouer autre, ils allaient commémorer ma mort. Puis ils allaient, après tout, peut-être si y a mes parents, jouer autre, ils allaient honorer ma mère. Puis ça, ils allaient ma mère. C'est là qu'ils allaient vivre dans mon kilo. Ma géniteur, ma papa, ma maman, ma mère. Pour ça, je souhaite. On souhaite bonne fête à mes parents, Nyonso, en général, de la République démocratique du Congo, et plus particulièrement mes parents, et papa Ambroise Malak, et maman Christian Mabana. C'est grâce à vous, au lieu de télémine à étant le Kier, Merci. Bonne fête à tous les parents de la République démocratique du Congo. Très bien. Alors, le coordinateur Ligue des Jeunes aussi, je crois, il a un mot, hein, dans Ligue des Jeunes, Lukunga. Oui. Bonjour, comment? Bonjour, monsieur Moutiri. Santé à bien. Santé à bien. Trouvez, bah, présentez-vous pour l'Ambalibosso. Premier passage, hein, l'émission, on a dit, Génie Congo, la République entretien, Ambalibosso. Hein. Oui, je peux dire que les amis très bien. Mais la émission nous sous. Nous les canards. Tous les canards canabiso. Mais ah, balibosso, on a un bayo. Quand même, bayo. Oui. Le nom c'est. Ngai Neko Daniel. Mmh. Daniel a été là, dans Ali coordonnateur et à Ligue des Jeunes Lukunga 1. Donc, je crois que Daniel, tu as la mine là, ou bien tu as vraiment, de temps en temps, tu as la mine là. Très bien. Merci.
Voilà, merci. Alors revenons à notre conseiller, l'honorable conseiller communal, monsieur Higue, l'a invité à Vantokota, dans la Kamotali commune Oyayo. On a invité moi, petit conseil, on a invité ma parent Lelo, il a fait Nabango. Est-ce que les parents vont jouer un rôle Nabango? Est-ce qu'ils ont encore le moyen à éduquer? Le moyen à Kokolisabanane, le Mubani? Est-ce que parlons un peu de parents pendant peut-être 5 minutes. Ma parent Lelo Baza, comme Koka, la responsabilité de Nabango. Merci beaucoup de nous tirer pour la question ici de Kokun Rai. Réponse par rapport à la question de Ezali biblique. Ce que tu as dit, commandement Oyo, Moïse, qui n'a pas besoin de la petite bisou, le commandement Mongo, il dit que non, les enfants respectez vos parents, votre papa et votre maman. Nous, les enfants, pour que tu sois Oyo, tu en as besoin d'en haut, tu es obligé à respecter mes parents, la bisou. Pas la bisou, maman, la bisou. Les lots, autour, est-ce que mes parents, Bazali, à mesure, il y a pour assumer ma responsabilité dans Bango, pour avoir plus d'éducation à l'âme. Je vais dire oui. Et enfin, d'autre côté aussi, je dirais non. Et je vais dire oui, pourquoi si les lots, le monde, il y a des parents. Je prends l'exemple, papa, Oye, à Botingaï. En tout cas, dans l'éducation, moi, je sais que mon père, il peut tout laisser. Encore, on a besoin d'être maintenant, on a besoin de chaussures, on a besoin de ketchup, mais à ça, l'effort que non, on a besoin de quelque chose. Il y a quand même quelque chose à couvrir, il y a quand même quelque chose à couvrir. En dehors de ça, nos parents se sacrifient. Donc, je les félicite aussi. Peut-être que Bissot a évité tout ce qu'on attend, tout ce qu'on a. Mes parents se sacrifient. On sent que non, parents, ils ont eu un somme à souliété, un somme à ketchup, mais minerval, un fait scolaire, un fait académique. Nos parents, ils ont eu un somme à folie scolaire et à mon athée, ils ont eu un athée. C'est dû à quoi? Parce qu'il y a aussi des problèmes d'invité. Oui, le problème qui est là, le problème, ils ont vraiment mes parents comme tel fait. Les parents se sacrifient. En tout cas, papa, parents, nous sommes devant nous, nous avons le lot, moi, nous avons la moi, nous avons la malam, moi, nous avons l'éducation malam. C'est ce qui est tous les parents, ils associent les parents, nous sommes. Mais, et là, que vous allez dire que moi, quand c'est le lot, mes parents, nous sommes limités. Et là, que vous allez dire que non, le lot, nous sommes à malam, ou mes parents, nous sommes à l'exalité. Quand les acquis, mon bal est sur la balle, moi, c'est naïe. Mais les lots sont très difficiles. Moi, c'est avant de s'occuper de la banane. Il faut que je me dise que je me dise 10 fois, 20 fois pour jouer. Avec le Sanisana, moi, ça va me dire. Et on sait que non, pour assumer vraiment l'éducation à banane, l'éducation à banane, ils allaient vraiment se souvenir de la calaté. C'est-à-dire que quand les acquis, la femme va rester à la maison, à Tikali, quand elle va être à la classe, elle va être à la classe. Je suis allé ma tante Oyo, il faut éducation à Bana, il faut Bana Baboko la Mamalam. Yango, tout ça, c'est un galélo, tout ça, en quelque sorte, et responsabilité paye à l'État, Oyo, à disposer vraiment de salaire à Malamouté, dans le code de travail, dans le biso, ma parent, dans le biso, sur le rôle de Bana Boko, dans le biso, tout ça, on nous dit souvent, nous sommes à 95% de chômeurs. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de parents à l'intérieur. Mais ce que tu as dit, mes parents, malgré qu'ils sont chômeurs, malgré qu'ils ont revenu à la moté, mais ça a quand même effort que non, ils ont battu la kélasi, ça a quand même effort que non, ils ont battu la kélasi, ils ont battu la malam. Et on a tout ce qu'on a, mes parents, en tout cas, félicitations et belé, ils ont battu la kélasi, ils ont battu la kélasi, ils ont battu la kélasi. En tout cas, nous félicitons, félicitations et belé, ce qu'on a dit sur vos alliés. Tu as dit que ils ont battu la kélasi, pour un salaire, pour un nini, ils allaient peut-être. Pour convenir, tu es dans la battance, mais nous amener à Yébi ou Yébouya Lobby. Très bien. Alors, Daniel, un mot, hein, parce que vous pouvez, aux apparents, aux Lucas Koukou, mes parents, mais par rapport avec les responsabilités, est-ce que ma famille Nabisso, les lots, ils ont fragilisé, parce que les parents, par moment, n'ont pas assez de moyens pour encore éduquer. Ben, et ça aussi, là, vous pouvez ça sous moi, parenthèse. Est-ce que ceux qui m'ont coquillé, ils allaient tendre, 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 ils allaient tendre,
Vous quoi encadrer banaté? Vraiment, Ndeko Moutiri, question est vraiment très pertinente. Le lot vit au bisotozo, vivre en gotozo, patient le lot. Na ma parana biso, pour l'angai, dans un monde, ils ont un peu différent par rapport à la vie à Kalabako qu'on a biso. Parce que génération où il y a le lot, où il y a le lot, il y a une génération où il y a laissé aller, makasi. Liberté, il y a makasi, qui est au libertinage. Aux autres, il y a un contexte où il y a un lot. Le lot, déjà parent, a une initiative, a son bel amour, on a un téléphone Android. Moi, on a un âge, on a un troisième primaire. Moi, déjà, on a un téléphone Android. Parent. Les athées, ceux qui nous sont à Pessier, mes parents. Les lots vivent, toujours naturellement, physiquement. Tout est inclus. Virtuellement, dans ma téléphone. Tout est là. Via yo papa na maman, ils ont encore ce téléphone. Via ma gêne, tout est dans un téléphone. Alors, au on a vraiment liberté, oyo. Moi, j'ai déjà un téléphone, j'ai mon Android, ma chambre, il peut tout faire. Il peut tout faire vu que Moutozomo a été à Zanata, à Kota, à l'image de ma bébé, à l'image de Bosoto, à Zanata, accès à ça, à se connecter aussi dans le monde diabolique parce que tout est là. C'est parce que liberté, ils ont un peu de parents. Ils ont vraiment un peu de parents. Batala vraiment bien. Batala bien place au tozo kenda. Tala lelo Facebook na ba TikTok. Place ezo mema biso. Ozo mona ke muto azana liberté atika parti anzo to na epolele o to yebi ke eza ba eza o yo sengi ezala na chambre mama na papa na chambre mais komi ko bibandi banda na téléphone parce que moi na za possibilité a mona yango na téléphone ye moko na comment parce que yaza yé moko okopikisa yende nini alors ezo singa na ba parents na biso bazonga na basa na rekil na ba éducation ya bango bazalaka nango à quel âge on peut donner l'accès à son enfant à quel âge l'enfant peut être libre à saler là à zo ba accès par exemple la babio musu wa ba téléphone et consort ceux qui téléphone ozo pesa mwana par rapport peut-être ya classe Kobengaye, mais limiter na téléphone c'est simple. Ce qui pour na bajé console, ba tablette eza pour na bana, sombela mon tablette a ki école tango zongi avec tablette wana zo sale la ngo pour na bajé distraction. Là c'est normal, on comprend. Mais aujourd'hui, les téléphones Android qui donnent l'accès aux enfants, aux hommes même monte la perdition. Vraiment nos parents, boza important pour na biso, mais toi aussi na bino vraiment bon mais quand un peu qu'au revoir. Et aussi ba opportunité mususu o biso ba parents o ba parents bazana ngo yango nde sing yango nde zo permet kozanga mbongo yango nde zo permettre te ko bébé sa éducation à bana on voit dans de famille où papa kufa maman kufa mais mwana ku atika ki na âge à 5 ans tali éducation mwana c'est comme si ba parents bazalaki et les a problème ya individuel les a problème individuel ce ne sont pas seulement des parents. Ce ne sont pas des parents. Ceux qui ont moutosa déjà ma bé, même ma bé sur l'éducation, y a ndenge nini. Tu resteras le même, ou changer t'es. Mais ceux qui ont déjà eu un culture, y a malamoko, développer en haut, jusqu'à ce que, même à l'absence de nos parents, n'a pas vu en haut. Cela ne signifie pas que mes parents, toujours, ceux qui ont un an de bisotosa en éducation, malam, ils ont une question, y a moutouye moko. Pour ceux qui m'ont coquée, d'ailleurs, moi, la signe, bien pas. Merci beaucoup, Daniel. Alors, toquez rapidement, conseiller. Hugues, rapidement, la bota la ka commune Oyayo, avant la commune Oyayo, la ouka ki ou du signal de tout monter, n'a yin à moi, du kamoke, ya ko meka piko ki clercir opinion, en tant que conseiller communal, on aura conseiller communal ya commune Yangalima, na sortie médiatique, ya ex-dame, première dame, maman Olive Lembe, vous avez na mona ki lobby déjà MLC et communica ki. On a ça la moins éclaircissement la tina les camions invités ce qui est unique au fond la moi moqué et la cimato comme pour la les camions italiens et au commun merci beaucoup Ndeko Dodo merci pour la préoccupation je pense que journée à lobby
moi j'ai passé en tout cas dans un collègue en Anzela au ancien président ex président de la République en Zaire Rwanda côté HLM donc comme avant que ma résidence il y a maintenant honorable Kamere Vital Kamere m'a tourné sur mon tout cas j'étais dans la voiture mais sur mon tout cas quand on les a été besoin à nous personnellement pas un sibiso nous on croyait que non ils allaient président de la République ou bien autorité, bah quoi, na hôtel du fleuve. Donc pour ça nous voyons moqué, tout bani koyo ka y a massa c'est toi qui massa c'est bétami, toi qui bani l'éliki et l'éli. Après tout la bobabio c'est la force du progrès, ni basalé ko le kanakuna, y a massa c'est bétami. Mais la semaine dernière, toi qui déclaration oyo ex première dame. À sa déclaration à TV, dans les médias, tout le monde est partout, ils sont dans les réseaux sociaux. Et dans comme il y a Ligue des jeunes MLC, le Congadé, tout le monde, en tout cas, tout le monde a exprimé ma profonde préoccupation d'Abisso par rapport à la déclaration à l'ex-première dame. En tout cas, suite à l'événement, il y a quelqu'un qui n'a pas été, tout le monde a exprimé ma profonde préoccupation d'Abisso. Na base, na katina yango, il y a des choses que nous devons mettre au clair. L'ex-première dame a cité abusivement le nom de notre président national, le vice-ministre actuel du transport, vice-premier ministre du transport, M. Jean-Pierre Bemba, nakati ya ba biloko oui le kanakiwana, ndeto kolobalelo, jeunesse à MLC, ezali kolobake, président national naï Jean-Pierre Bemba, Gombo, azali ni de loin ni de près, naba événement, et c'est le maki, mokolo mwalobiwana. Parce que ceux qui ex-première dame, yemoko na monoko na ye, akolo bakeno, ba tout, baza bien identifié, so baza non identifié, na kombo ya les progressistes. Yemoko na bikeno, baza li batou ya IDPS. Moi je me suis posé la question, quelle est la relation qui existe entre progressistes et na Jean-Pierre Bemba? Il est venu en citant le nom de Jean-Pierre Bemba. Yemoko na bikeno, il m'appelle souvent ma sœur ou il appelle souvent son frère. Oye toko lo baboye. Les lots de Kodou de Moutiri, au moins des fois, du soir, mon kilton s'est culpabilisé. De temps à temps, de Kodou de Moutiri, de Kodou de Moutiri, de Kodou de Moutiri, mais à moins que de Kodou de Moutiri, à Zako, zone sa ma béonate, au Kobani, qu'on s'est senti culpabilisé pour ma bé au salé mout. Parce que Moutako, à Zako, répondre et on a silence. Ce sont des choses où on a dit qu'on a vu ça, il y a FCC, ma commune, Lucas, il y a combo, il y a Jean-Pierre Mababi. Mais Moutou, il y a 2006. Tu vas naïe, tu sais cristaille, avant d'être, tu vas dans la résidence surveillée. Avant d'être, tu sais, nous sommes là, nous allons réagir pour quoi, nous allons nous faire un peu de temps. 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 Nous allons bien sûr, résidence à ex-premier, ex-président, M. Joseph Kabila, nous allons nous faire un peu de temps. Mais quand tu as la place, est-ce que la loi de l'urbanisation est un peu de temps? Nous allons nous faire un peu de temps. Il y a mon cas de a fondé la quinta on a vu ça passer n'akuna et ils aiment assez makuna mais n'akwa monte zana simakuna bino aux yeux ils l'ont bokangi soit alors qu'ils n'akuna rien de gêné n'akuna fuko tala ban n'akuna zana simaya résidence na bango wana est-ce que étant maka avant batikela bango avant bango bazo résidence wana ou bien après que bango bazo résidence wana il faut battant mon copé biso population tant mouto akoloba tout ça ka examen de conscience n'akuya batu ils aiment assez yo ye au kanginze là au bloqué et au comme que tu disais ndaku ya motwana ça que mutu atekelo lo pango na et ça que mutu atekelo nani résidence na est-ce que ils allaient normal dans bokana biso ngai tellement na temps fort je peux à moi seul faire la loi yango to sali ko lo balelo na opinion bande ko na biso wana base la bande ko ce qui a balobi que ils ne sont pas identifiés mais batun so bi que non bazali bande ko ya les progressistes bay ba que les lots, il y a un lot qui a été il faut que je pense que l'histoire est béret rouge. Je pense que l'histoire, il y a le 11, je pense que c'était le 11 décembre, il y a 2011, je pense. Oh, biso, moi, c'était pour ma première fois, dans mes soulangais, dans mon bateau, il y a un poids lourd. Dans ma belle, il y a un biso mettre chaleur, il y a mettre chaleur. N'est-ce pas que c'était, il y a perdu à l'époque, nous avons besoin de mettre chaleur. Les lots, les rouges, ils ont place, ils ont serré les lots. La banzi, ils ont besoin d'une IDPS, ceux qui ont besoin d'une force de progrès,
conséquence il y a pouvoir et les cas il faut et côté abisso moqué moqué on ne peut pas faire justice abisso moko là ce monique non ils allaient simbater moko abisso de la loi il faut tout la loi mon béco et tamboula mais voyant aussi les images par rapport à la déclaration à ex il y a ex première dame Bisso, en tout cas, je ne sais pas de quoi vous montrer ce qui contredit Ngaï, Namoni, et ce qui est de Kouana, qui est la porte, il y a ex-première dame, il y a résidence, il y a ex-présidente. Tout le monde qui est de passage, ils étaient de passage, pour éviter qu'est-ce qui s'est passé, comment s'était-il fait que non, et comment ils sont allés attaquer la résidence de ex-président Joseph Kabila. Ce que nous cherchons, nous voulons, les lots de vie politique, il y a bande qu'on a il y a PPRD, que non population était bande à peine bazar conseiller bangoté bazar quoi qui populisme comment faire pour bazon la scène politique il y a beaucoup qu'on a biso mais que non soit créé scène où il va créer scène où yo population éco tirer attention c'est rwana ils allient trop de ne ba organisation de tout monde ba musique na biso tout monde que non va dire sa album tout monde ka ba vient na biso ba wenge ba dire ba album yo bim ça c'est terre aux la marché té le gros créer le comment pour tirer attention ba c'est la même chose qui s'est fait hier. En tout cas, moi, de notre côté, je vois que non, ce qui s'était passé hier, c'était le populisme. Pas toi, Luka, que non, perdre, ils ont toujours existé. Parce qu'il n'y avait rien à voir de citer même le nom de notre président national, Jean-Pierre Bemba, na Katia Bilokwana. Parce qu'il n'était ni de près, ni de loin, na Batou, concernant Batou, ou Atinaki, ou Akosala Marchwana. C'était une chose qu'on pouvait se demander. Foule ya Batou Azale Koya. Nambo, on a vu ça aussi. Sitting Ezali, marche Ezali, il faut hôtel de ville yeba. Est-ce que Batouan Bagozako Tambolawana, est-ce que hôtel de ville yeba qui ango? Est-ce que Bazaki autorisé yako sala marche ou basala kiwana? C'est ça, c'est par là où nous pouvons peut-être poser la question. On doit se poser la question, ma hôtel de ville yeba qui marche ou Bazaki yako sala? Est-ce que Bazaki n'a cible que non, nous avons attaqué résidence à l'ex-président de la République, Joseph Kabila. Je pense que de ce point-là, ce sont des questions que nous devons poser. Ce sont les actes que nous ne tolérons pas, ou tout à fait qu'on est à mon côté, mais Bandegonabiso, il faut que non, loi est à mon côté. Tout ça dans la Constitution, tout ça dans la loi est à corriger. En dehors de ça, ce que nous devons aussi parler, depuis que. Bah, résidence, ils allaient globalement là, ils allaient résidence à conflit. Ce sont des résidences à conflit. Est-ce que, ils allaient que non, bah, tout, oh, yo, bah, ça, bah, conflit dans ma résidence, ça va créer action, oh, c'est le maquin, non, bah, qui nous a battu, bah, pour ça, la justice, bah, on moko. Ce sont des trucs, des questions que nous posons. Voilà. Et je pense que, de telles histoires à la longue, l'ex-première dame, peut-être, elle avait, à certains points de pression, sous l'émotion, mais prochainement, peut-être, à Meka pour revoir, ou bien quand on a ces émotions-là, on a dit que non, en tout cas, mon frère Jean-Pierre Bemba, président national à MLC, peut-être c'était sous l'émotion que j'avais cité votre nom abusivement, mais je m'excuse, ou bien j'ai fait des meilleurs coups par rapport à mes propos, ou la même chose, c'est ce que nous cherchons, nous, les MLC. En tout cas, Azala quand même préoccupé, émotion, comme j'ai été sous l'émotion, mais la dire aussi au limite de la population congolaise par rapport à point de sortie médiatique Nangaï, peut-être prochainement, donc il va venir bon ça va commencer. Alors rapidement parlons Kangalima, votre commune, au sera qui descend Moko, on a invité la ONG, je crois. Oui, oui. C'était pour quelle raison? Monsieur l'honorable Igor. Merci beaucoup, Neko Dodo Moutiri. Tout cela qui descend, tout ça qui est mission, c'est des services où il est organisé dans l'assemblée communale, il y a commune Angalema. Tout ça qui est descend, ça va marcher, nous sommes dans la carte de la commune Angalema. Objectif, il y a les bosses qui ont identifié le marché officiel de la commune Angalema, puis qui ont identifié le marché pirate, ils ont dans la carte de la commune Angalema. Pourquoi tout à l'heure le Kouana, nous devons organiser ce secteur et le marché. Nous avons constaté que il y a beaucoup de marchés pirates eux allés et vrai dans la commune d'Angalima. Et le marché pirate eux allés dans la commune d'Angalima, dans où ils allés que ça a été
tant que le marché pirate est belé, il faut créer un bouteille et belé. Tant que maman a biso, basali ko teka na balabala, tant que ndeko na biso, bazu ou enze, comme ça na balabala, nous allons faire la question, un bouteille, nous allons faire un bouteille, nous allons faire un bouteille, nous allons faire un nous, étant les élites, nous allons tout régulariser, domaine où il y a un marché na biso. Objectif que nous à la longue, le marché pirate au Nyon sur les alliés, na quatre y a balabala, ils ont quatre y a prince, y a macadam, ils ont créé un motage, ils ont quand même organisé. Et l'on a prince, et quand t'as vraiment, bah comme à cause ça, na ni na ba ouais, na ba étalage. Donc, nous devons dire, ce que au côté dans les habitants, ah vidéo que vous avez mais au commun que na quatre na yango, ils ont ba table vraiment, ils allaient vide, ils ont occupé. Mais au comment les gens qui ont été étonnés biso bâtir ma table vide oh yo bah tu peux pas équiper la carte mais bah y a libanda tu poses la question mais pourquoi bâtir ma table vide dans la carte à marché boyer qu'on voit dans libanda réponse en vous allez que non biso tu y a libanda parce que bah tu oh net biso ah toujours côté que bah produit est impérissable toujours côté que banana toujours côté que bitabe toujours côté que malala sur les 2 jours 3 jours et qu'on expire sur tes huit blocs on a tes huit clients tu tiens on a carte kuna bah tu vois y a kuna bah client pour voir bah quand on a carte en tout cas ils ont un problème. Tu as un bloc qui est expiré. Mais il y a un autre est-ce que, comme le bloc est expiré, vous êtes obligé de faire un bloc. Je dis que non, tout ça, vous êtes obligé de faire un bloc. Tout ça, vous êtes obligé de faire un entrée à un bloc. Parce que tout ça, vous êtes obligé de faire un bloc. Vous êtes obligé de faire un bloc. Vous êtes obligé de faire un bloc. Il y a un autre qui, si vous êtes obligé de faire un bloc, c'est l'administrateur en marché. Nous l'avions demandé, vous êtes en marché à Delvaux. To sengi na ye ke non a régler bande ko na biso babima baza vraiment na limite à marché babima na balabala te parce que tabako na balabala ba tonte na balabala ba moko dan bazali na insécurité mutu wa franco si la ye pouf to moko incendie et seulement qui dernièrement na wezia nini a Kadjibala ndeto elok blo a boito zako sera ke non na combina biso ngalema et ça m'a susuté ndeto zako régulariser ba marché na nyonso et ta petite ou ba nokota ba domaine nyonso ou ba ko se ko sala après ma marché pirate to ko sala peut-être to kita biska nyonso ou to ta ko mona ba ndeko na biso oyo ya pa parce que la mituka ba ndeko na biso ba ba tia ba kwado ou ba za ko sala na ba balabala c'est ça ma devoir ou ya biso ba conseiller communaux ya ngalema to zali ko zo après to ne ola na mokie mokie mona mai matali commune na biso ya ngalema ah belle initiative to ko kita ba marché nyonso commune ya ngalema to ko kita ngo. Donc on appelle la carte on a carte marché. Ce type permet dans full wana boy ils arrivent dans le water blog il y a ba poisson ils allient wana ba soso ils allient wana ba de wana boy to sombi to que nous ça ça. Dia moto ça appelle administrateur à marché elle a cousa pas propriété ya aux escap ba bazali côté. En tout cas aux est la propre. Ba ba identifier côté ni ba côté kabilo ko lia côté ni ba côté kabilo ko bilamba ko lata côté ni ba côté par exemple ba bloko oya ya mituka en tout cas côté ni ba côté kabilo ko etali ba électricité ba nous ce sont des choses que nous sommes en train de demander na ba ba nous traiter ba marché ni nous ezala komina ngalimo. Donc c'est comme si c'est pour lui la première fois on a descendu à Boué administrateur. Oui l'administrateur je pense que c'est la première fois on a descendu à Boué tout qui tapait. Je pense que je ne sais pas peut-être lui n'a pas peut-être soit dans la ville provinciale de Kinshasa Maka soit à cause de la montagne il y a aussi à cause de la deuxième personne mais je pense qu'il peut être la première personne biso n'est n'allé ma tout ça comme il a initié bah il a boué la mission au bas puisque biso étant bah il y a combien d'allé ma et nous nous sommes dit avec tous les conseillers communaux vous allez voir que je ne suis pas seul j'ai pas fait cette descente seul nous avions fait cette descente au nombre de 5 conseillers communaux les n'allé ma dont je vais citer les noms. À côté là vous voyez maître papi qui est celui qui est Ozali tout ça maître papi Ozali conseiller tout ça honorable fiston tout ça peine honorable Jonas et tu es aujourd'hui honorable Claude Boulou chéri Claude c'est à dire que tout ce monsieur Zaki pour 5 personnes où nous avons laissé et moi je suis là à votre dans le bord on est à droite tout ça qui descend ensemble et peut-être en tout cas nous sommes en train de dire nous avons cette mission avant fin du mois autre côté Oyo tout le temps va marcher ni on soit commis dans Galima pour nous régulariser ou bien régler le domaine Oyo ni on soit allé marcher et après tout le temps Oyo est allé bloquer Moussous. C'était notre défense. Félicitations, un coup de chapeau à vous Igor pour cette initiative loi. Merci beaucoup. Coordinateur il y a Luc Desjeunes Lukunga 1 Daniel. Oui. Un mot na initiative vous. On est connu sur la conseil communal. Il y a un galé qui a été lancé.
Exactement salutaire. Exactement salutaire. Au sengi to soutenir ango parce que le lo tozo mona bandeko oyo bazo zo ba responsabilité na bango na mboka bazo salela ango te moni mutu azaki na debi a tse biso makelele na ba veni na ba quartier na ba commune tango azui pouvoir a ki kofanda nango na na ba plénière na moi mobimba peut-être roya na 5 fois et puis afin d'y aller à ça la activité musulmane. Or que responsabilité y a bango ezalaka couvrir na vie sociale y a population na vie physique bo y a population, c'est-à-dire faire des descentes s'il y a possibilité. Bah acte wana, c'est ce que je vois. J'ai sali en passant l'honorable mon plaisir Bolokole. Ce sont des jeunes jeunes où bazo travailler pe bazo ça la lokumu ya MLC. Les abattés moko ya malamu yozo mona jeune azo kita na secteur jeune kiti na secteur en dehors ba pesi bango vacances parlementaires ma na vacances ya kiti azo sala activité na et puis azo toucher mité ma abatu c'est comme ça acte bande ko basali yango na marché à Delvaux les amalamu parce que on l'a vécu na nani na matadi kibala on a vécu ça matadi kibala o bande ko ba kufa ki mabe ba kufi. Alors, pourquoi pas biso tout s'organiser, tout vivre le quoi ba humain, pourquoi pas? Pourquoi nous devons toujours vivre na ba ba époque ya kala to tikalika kanenge to zala kala to zo ko avancer? Pourquoi nous n'avançons pas dans notre pays? Pourquoi on n'avance pas? C'est vraiment une volonté pour que mboka oyeza décoller et vous a décoller. Ce qui biso nyo surtout to za ba intention, bonne intention ya ko faire développer mboka na biso na ba initiative chacun na na coin na ye na ba initiative ya boye. Eza le coup mingi. Eza le coup. Merci Daniel. Alors on a Hugo. Alors l'invité prochaine descente, je sais pas, c'est toujours les restes de marché pirate ou Moussa Soussou na quoi visager le Moussa Kosala. Oui, parce qu'il vous reste juste 4 minutes pour tout ce qui est émission. Nous sommes les élites du peuple. Nous sommes en train d'identifier secteur par secteur. Le coup là, tu m'as dit, par secteur à marché, tu allez obliger à construire un marché Nyonso ou aux Alina commune Yangaliema. Tu m'as dit un marché à Delvaux. Je pense que prochain cible, les Alli, marché à Epen. Après, tu as un marché à Pompage. Et le marché Nyonso ou aux Alina Nyonso. Commune Yangalima. Objectif Ezali, tout sensibiliser le marché pirate. Parce que chaque administrateur y a marché, a vu le marché pirate, nyonso Ezali, y a marché dans chaque quartier. Dans la commune Yangalima, il y a 21 quartiers, mais en termes de marché, Ezali officiel, nous avions moins de 10 marchés officiels. Mais le marché pirate, dans la commune Yangalima, Ezali est belé. Yangwana, nous sommes obligés d'identifier ce marché pirate. Et lorsque tu as un marché pirate, ce sont des gens qui peuvent peut-être en quelque sorte coïncider à l'État. Parce que tant que le marché pirate, il ne sait pas payer l'État. Il faut taper moi, à ta taxe, il y a 200 fois, 100 fois, dans l'État. On a des manques à gagner. Oui. Ce sont des manques à gagner pour l'État. C'est mieux, quand on a besoin de la commerce, la majorité sont des parents, comme nous saluons les parents, nous sommes ici. Mais objectif c'est d'aller quelque part à marché piraté. Objectif c'est que non tout régulariser en haut tant parce que ça la base à la connie na niveau y a l'État. Très bien. L'État aïe babango que non escatel mutozali ce qui problème ezali l'État et que non place tel moi marché mon ezali en a batté kaka na comme à l'État ce qui excusez de nous mentir ce qui est taxe 10 francs 20 francs kota et kota na caisse l'État à la place de que non autre non que non bah tu vas les kaki boy bah zumbongo l'État a zalo zwangote nous c'est ça notre objectif ce qui taxe à 100 francs zalo kota et kota na caisse y a l'État commune et zana bat ouba traçabilité traçabilité ouana et ça normalement commune et zana bat ouba zala habilité y a ko ça la y a ko récolter mon ouana ko ça la oh il faut pas ça la ouana voilà pourquoi. Voilà pourquoi, bisous tout ça, de ça, va marcher. Le bosson, tout ça, va marcher. Surtout si ça va marcher, tout qui est peut-être ma parking, ou, et ma parking, où ils allaient autoriser, tout qu'il y a, quoi d'autre, ou, ma prince. Parce que, lui, que non, on découvre tout le monde, c'est, maille, ils allaient ennemi numéro un à ma prince.
Toi, comment est-ce que nous allons macadam après quelques temps macadam et baby pourquoi mamai? En tout cas macadam et les mamai étaient à tamouké. Et moi là après le marché tu vois ma quadro qui identifie ma quadro nous sommes qu'on utilisait ma prince va utiliser macadam pour notre ça l'activité là-bas. Tout le monde l'activité était mais pourquoi il va et si quand il trouve ça l'activité ouais. Tout régulariser, tout régler la situation. Nous sommes malheureux, je pense que tout ça qui campagne la biso projet de société d'habitude de l'accès bateau malheureux peut-être à la tout ça on va la monter malheureux alors Hugues l'invité de la souka peut-être quelques remerciements ou le numéro de téléphone pour la bateau malandio peut-être dans la préoccupation bah répondre rapidement pour atteindre yo et pour quitter ma belle ouais en fait les bossons de votre motif les lots déjà la tongo j'ai réussi après qu'à la sortie d'habitude n'a pas émission bah tu as galéré à jouer au benga bah ils honorable Ig tel est le socle aux hommes à venir dans cela bah ça lit quoi d'homme ils en ont quoi d'homme ils en a ni ne reçoit mis tout cas l'avant jamais tout cas et comment quoi empêcher vraiment que non ceux qui bat zoya et comment créer un embouteillage sauf pour matin dans cela ni à aux zones DGC aux zones mata aux zones aucun aucun des niveaux c'est la même chose dans bas là ce sont des telles initiatives où tu allais coller tu allais coller local. Tant que nous avons l'effort, il y a bien un peut-être tout le cas comment trouver une solution. Nous avons besoin d'informations, nous avons vraiment précise d'informations, nous avons venu au PCBISO, nous avons venu au il y a un combo, il y a un conseiller communal Ngalema. Si vous avez envie de nous atteindre, moi, conseiller communal Ngalema Ig Malaka, mon numéro c'est 082 077 21 77. Je disais 082 077 21 77. Ce qui au lingui que non mon préoccupation mon nakata na commune ngalie mes ali au bengibiso tout ça l'effort yako quitte à ces terrains pour retrouver solution ensemble parce que tambate biso tout ali bato au botinda ka pour ba lobe la kabino ba lobe la biso. Merci beaucoup Ndeko Dodomo. Merci beaucoup conseiller Igmaraka. Merci le cordon de Ligue des jeunes MLC Lukunga 1. Daniel, pour finir, peut-être quelques... Oui, nous avons un mot qui est à cause de ça. Oui, une conclusion, ça. Oui, nous avons un mot qui est, mais en cas de conclusion, nous avons un biso au Basalaki, Namibou et Leka. Nous avons un mot qui est là, vie a changé, a révolu. Nous avons un mot qui est là, c'est-à-dire, c'est le président n'a pas la décision, il n'a pas le pouvoir, il peut tout décider sans tenir compte yamibe koyamboka. On ne peut pas prendre la liberté à tout un peuple. Topé à bande ko moko songo na veni na quartier pour la liberté à yo mon côté quand même. Peut-être bon, je comprends, cette dame là avait besoin de faire de baise. Anniversaire n'a peut-être c'est maki soit qui ça est tout l'été alors. Il a profité dans l'occasion, on n'a pas ça à tout le monde. Mais il y a des gens qui ont évolué. Tout ça, il y a des gens qui ont évolué. Il y a des gens qui ont problème. Place où le problème est arrêté. Jean-Pierre Bemba ne parle pas. A dérangé à Batouté. A Luka a problème à Batouté. Mais pourquoi vous attaquez toujours à lui? Ceux qui m'ont dit à Kimia, vous avez une terre qui a été à la Kimia. Vous voulez toujours que Moutouaz à la Oyoya, non, il faut éviter tout ça. Chère madame, boti kababilo kwana parce que ezo ça le coup mouté na mboka. Toti ka liberté, toti ka accès à tout le monde parce que biso to ko vater, biso ne tozo rien, biso ne tozo gérer place tête donc to bloquer bande comme sous bon bas la liberté. La liberté à tout un peuple, la liberté à tout le monde c'est bon. Na bande ko na ya fédération ya Lukunga parce que je suis leur coordonnateur, na ko yebisa na ba jeune que Jean-Pierre Bemba c'est quelqu'un qu'on ne peut pas toucher. Jean-Pierre Bemba, c'est quelqu'un qui a un problème au Songolo. Na kombo na ye to fanda kimete. Chers jeunes Yalukunga, soyez tous vigilants. Vous allez vigilant, vous allez vigilant au cas où quelqu'un a l'ingia sakana. Na parce que Bemba, c'est quelqu'un qui a donné sa vie pour namboka oyo. Peut-être les gens bandeko ba yeba ngote. Biso ba misuso yo ba place to zala ba yebisa biso non ba osala bilanga ya café pour na. Donc on devrait plus encore vivre roi Batou. Mais si on voit quelqu'un à Télémaki pour donner la force Nabao Bazaki affaibli, c'était Jean-Pierre Bemba. Alors, on ne peut pas blaguer avec lui.
On ne peut pas 7 heures, tant que vous avez dit que vous avez dit, pour toucher Jean-Pierre Bemba. Pour l'obé la Jean-Pierre Bemba, ne l'obé la Jean-Pierre Bemba, ne l'obé la Babylon, il y a une preuve dans vos exactes. Là, vraiment, on ne va pas supporter tout ce que c'est saisir dans vos exactes. Quand vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que parce que jusque là, vous avez revenu encore en force dans l'activité, dans l'abissonné, vous avez le président communal, il y a Gombe, il y a Kinshasa, il y a Barumbu, il y a Kitambo. Donc, binonyo surtout, bande kobos à la preuve parce que d'ici là, toujours lancer bah activité na biso sur terrain, au sein na biso surtout sérénir pour na couper c'est encore une force. Il y a jeunesse, il y a ligue des jeunes, il y a Lukunga 1. Merci Daniel, merci honorable conseiller communal Hugues Malaka, merci pour votre présence honorable. Merci beaucoup, merci Ndeko Doudou. Et en tout cas, nous vous remercions de temps en temps, vous nous recevez dans votre émission. En tout cas, ça nous va droit au cœur de la considération que vous avez envers nous. Mais, dans ce qui s'appelle, parti politique Nabiso, je sens que les gens vont sentir la différence entre MLC et le parti politique Moussous. Par rapport au fait qui s'est passé hier, au moment de ma déclaration, et bien, belé, mais côté la déclaration, il y a MLC, vous sentez que non, l'MLC n'est pas seulement. Un parti politique où il y a battu, vous allez au Kansame, c'est un parti politique où vous allez former un cadre et un intellectuel et un beau capoyeux. Je salue en passant l'autorité union sur la MLC, dans mon ébongo, excellence, maman F. Wazaïba, Bissika Bazali, par rapport à la décision. Je salue les secrétaires Fidèle Babala, je salue les CGA Longwana, je salue notre président de la Ligue des jeunes, Aldarich Louboya, pour une initiative à Zuwana, exécutif, il y a MLC, initiative en tout cas, déclaration, ils allaient être très bien, ma casse, puisque tout le monde est même population, c'est pas bien, en tout cas, MLC n'est pas n'importe quel parti. Et nous les saluons, nous les disons vraiment, merci beaucoup de cette initiative, et puis la déclaration. En passant aussi, comme je suis en dehors d'être. Conseiller et leader Ngaliema, je suis aussi le coordonnateur de la Ligue des jeunes MLC, le Congadé, au Yuzali Ngaliema, et ce qu'on va voter qui Ngaï. Ndeko Doudou, après Awa, nous avions notre président communal, il y a Nakan Luka, on a vu ce qu'on a fait passer, mais le lieu, il y a un jour, tout le cimetière Naé, tout le cimetière Naé, Nous avons tous l'équipe qui est dans le cimetière Kitambo, Bazali Kosala Moussala, et nous n'avons pas directement dans le cimetière Kitambo pour nous rejoindre Bango, et aussi le Sato, bon, ça a été le cimetière de Gonabiso, Asila Kotikabiso. Et de passage aussi, j'ai dit à notre président communal de la Ligue des jeunes MLC Ngaliema que bientôt, nous allons avoir une grande activité dans le Bango, et nous allons préparer. Oui, vous avez adhésion massive, vous allez comme ça là, vous allez préparer malin, mais vous allez peut-être la fin du mois haut au côté, parce que nous sommes en train de remplir ma fiche d'adhésion, il y a membre de MLC. L'objectif est peut-être de faire adhérer une fois au moins 1000 personnes au Bakoya, une nouvelle personne va adhérer à MLC. Tout ça, la grande activité à Marca Bongo. Chaque président communal, où il y a la Ligue des jeunes MLC, dans le terrain, vous allez identifier nouveau adhérent à la partie. Je vous salue, nous salons, nous allons au en tout cas, nous sommes dans la bino, nous allons à sur le terrain. MLC, tu dis que Ngaliema, tout aux Akoya, pas une parcelle sans MLC. Et nous allons redorer l'image à MLC dans la carte de la commune en Ngaliema en 2006, peut-être pourquoi pas avant 2006. Très bien. Parce que tout le monde a dit que non, MLC, Ngaliema, ils allaient fief à MLC. Donc, c'est Ngaliema, nous allons à MLC, nous allons à Kala. Très bien. Merci beaucoup, Ndeko Doudou. Merci, conseiller Hugues Malaka. Merci, cordon Lukunga 1, monsieur Daniel, Ligue des jeunes. Merci à vous qui nous avez suivis. Et bonne fête aussi des parents à madame Dorcas Nzumba avec votre mari. Hein, donc, fête des parents. Salutations aussi à vous. Hein, donc, madame Dorcas Nzumba et votre mari. Bonne fête de parents à vous, qui vous êtes la présidente de l'ONGD Action Plus. Et bon anniversaire, joyeux anniversaire à Noël Ngimbi Fouti, 5 ans d'âge. Voilà, donc Castor, c'est elle que vous avez vu juste derrière. Alors bon anniversaire aussi, Noël Ngimbi Fouti, 5 ans d'âge. Et l'enfant de notre confrère qui est là, Strack Ngimbi, et son fils qui totalise 5 ans d'âge. Voilà, photocopie à papa. Vraiment, notre enfant, nous vous aimons beaucoup.
Que les Très-Hauts puissent encore vous protéger, vous bénir. Hein. Et vous ressemblez aussi à Michel, hein, le Zolo, votre oncle. Donc, coup de chapeau, soyez dans la joie à notre enfant, 5 ans d'âge, que l'Éternel puisse encore vous donner beaucoup de bonnes choses. Et la protection divine. Strack Ngimbi vous souhaite bon anniversaire. Michel Luzolo vous souhaite bon anniversaire. Notre enfant Fouti, joyeux anniversaire à vous. 5 ans d'âge. Fêtez, vous en avez les droits. Noël Ngimbi Fouti, encore, joyeux anniversaire. C'est Naël, hein? Naël Ngimbi Fouti. Joyeux anniversaire à vous. Allez, ça n'est fini pour aujourd'hui. Hein? Merci beaucoup hein, à toute l'équipe. Et à Bilondinga qui a réalisé cette émission. Merci à Marité Godot, à la prise de vie. Merci à notre très cher Fiston Tunga qui va relever notre coach. Et non, lui, on l'appelle coach, non, on l'appelle champion Bilondinga. Et merci à vous demain à la même heure pour un autre numéro. Allez, portez-vous bien. Nasi Leka, vous allez bien? Ciao. Ciao.